1995. Yes, I remember that very well. I just moved to Geneva. I'm from London. I think it was exactly 20 years ago. I was very young then. I joined ICOM back in 1994. In 1986. In 2006. In 1992, this was my first ICOM General Conference. I thought, and I think still, that I understood that my career, my professional life would be, or it should be, dedicated to museums. You know that an international organization like ICOM can really add to your experience, to your practice, and what you do in your country. I want to know, you know, the museums outside my country. Was something that will give me a window into the world. ICOM was a very big first step for me to break the boundaries from the Italian peninsula into the rest of Europe and the rest of the world. Museum in Korean is 박물관. Museum in Dutch is museum. Nous sommes à Paris, dans l'atelier de Delacroix, place Fürstenberg, où vient de se tenir les assises de l'ICOM. Qu'est-ce que c'est que l'ICOM? La question est posée à M. Châtelain, directeur des musées de France. Bien, l'ICOM que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à l'atelier de la Croix est le Conseil international des musées. Tout traduit en anglais, vous dans l'International Council of Museums, d'où ICOM. Donc l'ICOM est né en 1946, à Paris, au musée du Louvre, le 12 novembre. Et il faut s'imaginer l'ICOM de l'époque, une petite organisation. Donc l'initiative en revient à un groupe de directeurs de musées et principalement un Américain qui s'appelait Chauncey Hamlin. Chauncey Hamlin était directeur du Buffalo Science Museum. C'était l'après-guerre, donc c'était le contexte de la création de l'UNESCO. Et il a fait une lettre aux directeurs de tous les pays des musées du monde. Et en leur disant que pour construire la paix dans un esprit de solidarité, de coopération et dans le contexte de la création de l'UNESCO, il fallait qu'il y ait aussi un organisme de coopération entre les musées. Alors Georges-Henri Rivière, c'était le premier directeur de l'ICOM, mais bien avant cela, c'était le cofondateur du Musée de l'Homme, refondateur du Musée de l'Homme avec Paul Rivet, le fondateur durant des décennies, parce que c'est une aventure très longue, du Musée national des arts et traditions populaires, et l'inventeur avec Hugues de Varine, qui sera le deuxième directeur de l'ICOM, l'inventeur de ce qui s'est appelé les éco-musées. En fait, c'était des musées de société, des musées de territoire. He was the factotum of a nascent organization with his charisma and all the rest. Et puis il y avait Yvonne Audon, donc la directrice du centre de documentation, qui était également de fondation de l'ICOM, à l'ICOM, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Yvonne, c'était une petite dame, mais de très grande personnalité, très tenace. Elle est quand même passée par ses expériences de prison et de résistance et de camp de concentration. Yvonne Naudon parlait toujours des débuts du centre de documentation, c'est-à-dire qu'elle disait toujours qu'ils étaient à ce moment-là à l'hôtel Majestic, avenue Kléber, et qu'elle avait ramassé des livres, des bulletins, de la littérature grise, ce qu'on dit maintenant, dans une baignoire. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc, si vous voulez, physiquement, on arrivait, il y avait Rivière dans un bureau, de temps en temps, mais de plus en plus souvent, Yvonne Audon dans son bureau, que tout le monde venait consulter pour les questions de documentation, méthodologie, formation, et elle était indispensable.
À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les... Le téléphone marchait extrêmement difficilement, coûtait très cher. On travaillait par lettres. À l'époque, tout était fiche, tout était artisanal, tout était très bien fait, mais il n'y avait pas l'informatique. Le monde entier, même s'il n'y avait pas d'Internet, même s'il n'y avait pas vraiment de communication téléphonique facile, les gens s'adressaient au centre de documentation. Tous les jours, le centre de documentation recevait des demandes et des visites. On venait à Paris, pas uniquement pour voir la Tour Eiffel. Les gens de musée venaient à Paris pour le centre de documentation. Museum en français se dit musée. Museum in Swahili is makavazi. In the late 1960s, early 70s, you know, with the transformation in Western societies, you know, the student movement. So even though even the museum organizations talked about how to serve for society better than in the past. Ce que nous demandions, c'était une mutation des musées pour qu'ils touchent le plus grand nombre. Il y avait toute une génération, une jeune génération, qui profitait de mai 60, du mouvement de mai 68 pour s'exprimer. Et ça a abouti en 71 à la conférence générale de l'ICOM à Paris et Grenoble. The general conferences in Grenoble, the secretariat had engaged in promoting, I think in a very valid way, the ideas of new museums. New museums that dealt with subjects which were close to social interest, to politics, and so on. Ça a été dur, la conférence de Grenoble. Les gens se sont engueulés. Les gens qui ont ensuite inventé des nouvelles solutions, le musée communautaire, etc., la muséologie sociale, le rôle social du musée, et tous ces trucs-là, c'est à ce moment-là que ça s'est né. Entre la conférence de l'ICOM, dans juillet-août 71 et la table ronde de Santiago du Chili en mai 72. C'est dans ce créneau de moins d'un an, moins de 12 mois, que la chose s'est nouée. Ah bon, c'est jamais que les musées, c'est jamais que l'ICOM, on n'a pas refait le monde. Mais le petit monde des musées, ça a quand même pas mal bougé. ICOM at that time was bankrupt, had no money, no finances. Je me suis licencié. J'ai licencié mon adjoint. J'ai licencié une documentaliste et une secrétaire. Mais on a maintenu l'essentiel, c'est-à-dire on a maintenu le centre de documentation et le service des membres. Ça a été très dur pour les gens parce qu'ils n'ont pas... dur pour ceux qui ont été licenciés et dur pour ceux qui sont restés parce que le travail était le même. Est-ce qu'on a une idée du nombre de pays ayant des musées? Nous avons une idée très précise du nombre de pays qui adhèrent à l'ICOM. Il y a à l'heure actuelle 67 pays qui sont membres de l'ICOM. Est-ce que ça voudrait dire que les autres pays n'ont pas de musées ou bien qu'ils ne sont pas membres de l'ICOM? Ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de musées, d'une part, et ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas encore perçu tous les avantages de la vie corporative. L'UNESCO et l'ONU ont maintenant 120 membres. Mais dans ces 120 membres, beaucoup sont des membres récents et il est assez normal que les organismes techniques mettent quelque temps à se mettre en route. Mais tout nous permet d'espérer que d'ici quelques années, nous aurons 80 ou 100 pays membres. The main task was to restore the economy of ICOM, which, as I said, was bankrupt, by enlarging membership. Il y a eu une démocratisation qui est venue, si je ne me trompe pas, en 1974, à la conférence de Copenhague, où les gens ont dit « bon, ce n'est pas un club de directeurs de musée, ça doit être ouvert à tous les professionnels de musée, donc on veut adhérer, on veut être membre ». And I found in Lande's presidency for six years, I found a great support
to this strategy of rebalancing the presence in ICOM of both big, small, new and old museums. So they opened ICOM for, in terms of membership, individuals could become members. That was the beginning of revolution or explosion. So this was the beginning of that, what we have today with 35,000 members all over the world. I remember that my ICOM card has a number 370, and today we have 35,000 members. So that shows also the evolution of ICOM. It was a very exclusive club in the beginning, and today it is not a mass organization, but a bigger organization. Museum in Arabic is Mathaf. Museum in Icelandic is Sapk. L'ICOM a toujours une responsabilité, à mon avis, essentielle, mais qui est peut-être celle de chacun d'entre nous en tant que citoyen. Simplement, il se trouve qu'on est professionnel de musée, alors on le voit dans notre domaine. On travaillerait dans autre chose, on essaierait de l'appliquer différemment, qui est de contribuer à la coopération et, si possible, à une meilleure harmonie. This is what ICOM did very often. So, for example, in the Balkans, where we had the Yugoslavian wars in 20 years ago, museums and museum colleagues were not able to talk each other how to deal with. So then ICOM offered a huge conference in 2008 in Belgrade to speak about museums as places of reconciliation. 70 premiers orages de guerre sur Angkor. Les soldats vont s'installer dans les temples, ils vont piller, casser, voler et trafiquer. Chacun va se servir, selon ses appétits, un bol de riz ou une poignée de dollars. Ce livre représente en fait une réponse à l'appel qui avait été lancé par le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, en 91. À cette époque, une réunion d'experts avait eu lieu à Paris et le roi du Cambodge avait indiqué là qu'au fond, la première priorité pour eux, pour les Cambodgiens, était d'arrêter le trafic et le pillage du site. Et donc, nous avons souhaité répondre à cet appel et nous avons pris la décision avec l'École française d'Extrême-Orient de publier un livre où nous recenserions un certain nombre d'objets dont nous étions sûrs qu'ils avaient véritablement disparu du dépôt de la conservation. On avait des vieilles photos en noir et blanc d'avant les Khmers rouges. Et en fait, ces photos ont été réunies dans un petit ouvrage. Et grâce à ce petit ouvrage, on a retrouvé énormément de ces objets. Le trafic international des œuvres d'antiquité qui va même jusqu'à des choses qui ne sont pas faites de la main de l'homme. Les météorites en Australie sont exportées en masse. Les arbres fossiles ou les poissons fossiles du Liban. C'est les choses importantes font l'objet d'un trafic. Ce trafic est organisé sur le plan international. Comme la drogue. Comme le trafic de la drogue. C'est quelque chose du même ordre. Ça n'atteint pas des sommes aussi spectaculaires, car on n'atteint pas des millions ou des milliards. Mais on atteint des différences, qu'il faut parler en termes de différences, entre des objets qui ne sont pas reconnus comme ayant une grande valeur dans le pays d'origine, ou qui sont simplement pris de la terre dans des fouilles clandestines, et qui sont revendus 100, 200, 500, 1000 fois plus cher. Ce sont des publications qui ont eu aussi des résultats concrets, et qui ont permis à la fois de limiter le trafic des biens, le pillage des sites archéologiques, puisqu'on présentait aussi des types d'objets pillés. Donc, ce qui nous a permis de faire saisir des objets qui étaient mis en vente, issus de pillages sur des sites archéologiques, et des objets volés dans des musées et qu'on a pu faire saisir et faire restituer au pays d'origine. ICOM tries to raise awareness by publishing, for example, the red lists for endangered culture. And this is very important that people who are working, for example, at the airport and open them suitcases, that they are able to kind of recognize if this might be a stolen object, and then they can take it away and ask an expert to control the things. And it's very, very important to help people in stopping this extremely bad things which are happening on and on. Because if you destroy cultural heritage, you destroy nationality, you destroy the legal heritage, the legal past of people.
entendu que ah, c'est un objet qui a été volé au Mali. On a chanté ça dans les radios, les télévisions. Le président, il a envoyé ça directement au musée national ici. C'était offert par Jacques Chirac. C'est compris? Oui. Ok, merci. En tant que secrétaire général de l'ICOM Suisse, je suis responsable de la formation du personnel des musées suisses sur la base des demandes de ce personnel. En 2014, on a organisé 40 journées de cours, en 2015 également, et on va pouvoir toucher plus de 500 personnes, plus de 500 collaborateurs de musées qui vont être formés grâce à l'ICOM. It was a photo from the establishment, the launch of ICOM Training Center in Beijing at the Palace Museum on July 1st, 2013. I was very lucky to be invited to participate in the first ITC Beijing training workshop. Every workshop invited colleagues, participants, with very good international representation. The moment for me it was most important in this workshop was the final working group. We had to design an exhibition. We had to make the budget. We had to write a press release. And we had to prepare the presentation for the professors and the other colleagues. All these in a very short time. I'm one of the initiative persons and one of the movers of this center. I look at as my baby. It's always very important to be learning, and we cannot learn if you don't leave our own desk sometimes. And it's very important to learn with people from different cultures. We'll always learn a lot, even only to speak with them. And also, of course, to see other museums that we saw, visited, and to see how other people find solutions for common problems. Il y a une autre date, à mon avis importante, qui est 1986, c'est la conférence générale de Buenos Aires, où a été adopté le code de déontologie. Parce que, qu'est-ce qui nous réunit? Pour être membre de l'ICOM, il faut, en principe, accepter d'adhérer au code de déontologie. Le code de déontologie, il a d'abord été préparé, ensuite il a été publié en 1986, et puis il a été traduit, il a été adapté, etc. Don't forget that our code of ethics, our definition of a museum, became part of many national legislation. Par exemple, il y est dit que les biens des musées ne sont susceptibles en aucun cas d'être un actif financier. Il existe qu'il faut une certaine forme de compétence. Enfin, il est dit pas mal de choses concernant la déontologie qui sont encore d'actualité aujourd'hui. This is an extremely important step for ECOM to establish it and also to involve it and to improve it from time to time. Like in Rio, there was a new ICOM code of ethics for Natural History Museum. Natural history concerns all these living items in nature. It was seen that it was key to complement what was already there by creating this special code to look at such issues. The world changes a lot, the world of museums changes a lot, and there are new issues. New issues that should be better dealt with in the code. And the beginning of my time, it was the board of trustees, the state, the town financing the museum, and today we have to find money elsewhere. And that's why it's important to adapt the code of ethics to this new situation. Another issue is the competition of the leisure industry. They don't have the same task as museums. They do an excellent job. We can learn from them, advertising and so on. But the museum is something else. And a museum can never be, that's another message for the politicians, a museum can never be a profit organization, a profitable organization. Museum en español le llamamos de museo. Ben,
La carte de l'ICOM est une carte qui permet l'entrée gratuite dans les musées du monde entier. Ça, c'est très bien. J'en profite aussi, bien entendu, mais ça ne doit pas être la motivation principale, sachant que ce n'est pas un service de l'ICOM. L'ICOM ne paye rien, l'ICOM ne demande même pas au musée d'offrir l'entrée gratuite. C'est les musées qui offrent l'entrée aux professionnels. The ICOM card for me is a little bit secondary, and it is so for most Africans on the continent, because many countries, first of all, don't even have so many museums on the continent, and mostly don't travel that much to many museums so that they can use the ICOM card. But when I'm in Europe like this, yes, I can use it. Why not? It is not so. I mean, it's not just the card. It's not just being able to go into the museums without paying anything. It's not that, I think. It is the world that it opens, that you can go to as many museums as you can. You can meet as many people as possible. So it is, I think, the gateway to another world. Donc nous, on veut une carte qui dit, avec cette carte, je prouve que je suis professionnel du musée, dans le bon sens, je suis professionnel de musée. C'est-à-dire que je pense mon travail de musée en termes vraiment professionnels. Je m'engage au niveau international pour que ce niveau de qualité soit élevé, et je m'engage dans mon institution pour que le niveau de qualité soit élevé. We are all in a voluntary basis working in ICOM, so it's about necessarily it's about passion. Moi, je suis restée une militante. Hein. Moi, je me suis engagée comme une militante. Je ne suis pas conservateur, mais je crois que j'en ai l'esprit quelque part. It is quite hard work. I think I work for ICOM almost 2 days a week. For a voluntary, unpaid, part-time activity, that's quite a lot. And my wife complains quite a lot about that. So, I think this is a syndrome that you can see in all volunteer work or volunteer workers. And we have a lot, the whole of ICOM is volunteers working for an ideal. And the ideal of having better museums, having museums add to the society is, I guess, an ideal we share, all of us. Otherwise, why should we be, you know, working like that and exchanging emails, I don't know, at 1 or 2 o'clock in the morning? Museum in Cebuano is Museo in Cebu. I think it's very important to encourage young professionals to engage within ICOM. At the same time, I think it's a difficult issue, because nowadays not that many people spend their lives working in the same museum. Young people change jobs from with different museums and different projects, and in a way become ICOM members and devote themselves to work in ICOM. It's a big challenge. Ici, je vais vous poser une dernière question de conclusion. Du coup, quel serait le message que vous auriez à faire passer aux générations ICOMiennes futures? Alors, qu'une association comme la nôtre, elle est essentielle. Et les encourager à en faire partie. Deux, que faire évoluer les choses, c'est très très lent. Et qu'il faut une énorme patience. Si on a une idée qui est bonne, qui est importante, qui va amener un changement, même tout petit, dans la société et dans notre monde des musées, mais en général, moi je donne l'application au monde des musées, pour voir le changement, il faut 25 ans. Donc il faut être... il faut commencer tôt. et il faut...
faut être têtu. Il y aura des obstacles, et combien? Mais à la fin, si l'idée est importante, si elle est juste, si elle permet une évolution positive pour la société, on y arrivera.